ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين أما بعد يا إخوتي الكرام فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد خصائص الفرقة الناجية هذا عنوان الباب باب جديد إن شاء الله تبارك وتعالى سنمر به سريعا لأن هذا الأمر قد درس في أيام سابقة نعم ولكن إن الذكرى تنفع المؤمنين خصائص الفرقة الناجية نعم يقول المؤلف على مطلع الباب الفرقة الناجية لها أصول ولها صفات ومن أراد أن يكون ناجيا من العذاب وأن يكون من أهل السعادة في الدارين وأن يكون متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم فينبغي عليه أن يعرف خصائص الفرقة الناجية حتى يسعى في تحقيق ذلك ليكون منها. Donc mes frères, le chapitre d'aujourd'hui s'intitule خصائص الفرقة الناجية, les particularités du groupe sauvé. Nous étudierons ce chapitre en résumé car le sujet principal a déjà été évoqué dans des cours précédents. نعم وإني أذكركم بما قاله المؤلف في بداية الكتاب حيث ذكر خصائص المنهاج النبوي وذكر من تلك الخصائص أولا الثبات على الحق ثانيا اتفاق أهله على عقيدة واحدة ثالثا اعتقادهم على أن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم وكذلك حرصهم على نشر العقيدة الصحيحة وأنهم وسط بين الفرق وكذلك حرصهم على الجماعة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. Donc mes frères, parmi les particularités de la voie prophétique, comme ceci a déjà été évoqué au début du livre, il y avait le fait que ce sont des gens qui sont fermes et stable sur la vérité. Non. Deuxièmement, c'est qu'ils sont tous sur une seule et même croyance. C'est ce qui les caractérise. Troisième chose, c'est qu'ils disent que la voie des salafs est plus savante, plus empreinte de science. Aslam, c'est la voie la plus sûre, et Arkem, c'est la voie la plus solide quant à la déduction des preuves religieuses, ou des adillas, la plus fiable. Aussi, le groupe ou les gens de la voie prophétique, ce sont ceux qui sont ardents et assidus dans la propagation de la aqida. Aussi, ils constituent une voie de juste milieu entre toutes les sectes. Et enfin, nous avions vu que les gens de la voie prophétique, ce sont les gens qui justement s'accrochent au groupe et à l'union et rejette toute dissension, tout désaccord, toute division dans la religion. Donc ici, le Mu'allif, dans ce chapitre, évoque les caractéristiques du groupe sauvé qui sont en fait les caractéristiques de la voie prophétique. Il dit, en tête de ce chapitre, le groupe sauvé possède des fondements et des caractéristiques. Celui qui souhaite être sauvé du châtiment et souhaite faire partie des gens de la félicité dans les deux demeures, et souhaite faire partie des suiveurs de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, se doit de connaître les particularités du groupe sauvé, afin qu'il chemine dans sa réalisation et qu'il en fasse partie.
ثم بعد ذلك ذكر المؤلف حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقال روى الترمذي بسنده لعبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا وما هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني L'imam al-Tirmidhi rapporte qu'Allah lui fasse miséricorde par une chaîne de transmission remontant jusqu'à Abdullah ibn Amr, radiallahu tabaraka wa ta'ala al-huma, qui a dit, l'envoyé d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il surviendra scrupuleusement à ma communauté ce qui est survenu aux enfants d'Israël, jusqu'à ce que l'un d'entre eux fasse l'acte de fornication avec sa mère en public. Il y aura donc dans ma communauté celui qui s'adonnera à ceci. Exactement pareil. Certes, les enfants d'Israël se sont divisés en 72 sectes. Et ma communauté se divisera en 73 sectes, toutes destinées à l'enfer sauf une. Ils dirent, quelle est-elle, ô envoyé d'Allah ? Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est celle qui sera sur ce quoi je suis ainsi que mes compagnons. Le hadith a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, Abu Isa, et il a été rendu bon par Cheikh al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde. Bien. وهذه الفرقة الناجية التي ورد ذكرها في الحديث هم الذين اجتمعوا على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقاموا عليه وساروا على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج الصحابة الكرام وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث الشريف وهم الذين تابعوا السلف الصالح وساروا على نهجهم في العمل بالقرآن والسنة وكل فرقة تخالفهم فهي متوعدة بالنار. Ce groupe sauvé dont l'évocation a été citée dans le hadith sont, deux points, ceux qui se sont réunis autour de la vérité par laquelle est venu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, se conformant à elle, cheminant sur la voie de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et cheminant sur la voie qu'a empruntée l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam, la voie des nobles compagnons. Ce sont les gens de la sunna et du groupe, les gens du noble hadith, ceux qui ont suivi les pieux prédécesseurs et ont cheminé sur leur voie par l'application du Coran et de la Sunna, et toute secte qui viendrait s'opposer à eux se verra menacée par le feu de l'enfer. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن جميع الفرق في النار إلا هذه الفرقة وهي من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'ensemble des sectes comme faisant partie du feu de l'enfer sauf une seule, celle qui sera ce sur quoi était l'envoyé d'Allah, qu'Allah prit sur lui ainsi que ses compagnons, qu'Allah les agrée. Sma'u jayidan. Hada al-hadith yubayyinu anna rasoul sallallahu alayhi wa sallam indama akhbara bitafarruq al-ummati ila 73 firqatan wa annaha kullaha halikatun illa wahidah لم يترك وصف هذه الفرقة الناجية ملتبسا على أمته بل بينه صلى الله عليه وسلم أتم بيان بكلام جامع مانع فقد أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم في وصفها ما أنا عليه اليوم وأصحابي هذا هو الوصف المختصر لمسلك الفرقة الناجية التي تكون متبعة في كل مسألة من مسائل الدين لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأمين وما كان عليه الصحابة المكرمون رضوان الله عليهم
فمن انحرف عن هذا المسلك فهو من الفرق الهالكة، لأن للفرقة الناجية وصفا، وهذا الوصف جامع مانع، فمن لم يكن بهذا الوصف فأين يكون؟ يكون في الفرق الهالكة لا محالة. Le hadith nous montre clairement que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous a informé de la division de cette communauté en 73 sectes, toutes destinées à la perdition sauf une, il n'a pas laissé la description de cette dernière, c'est-à-dire le groupe sauvé, dans la confusion quant à sa description. Mais il l'a éclairci, sallallahu alayhi wa sallam, du meilleur éclaircissement, par une parole globale et parfaite, car le prophète a reçu le don de la synthèse dans ses propos. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans la description de ce groupe sauvé, c'est celui qui sera ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons, aujourd'hui. Voici la description résumée de la voie du groupe sauvé, qui est la voie qui suit toutes les problématiques liées à la religion, la voie sur laquelle était le prophète intègre, ainsi que les nobles compagnons. Toute personne qui dévira de cette voie fera partie des sectes voués à la perdition, car le groupe sauvé possède une caractéristique. Et cette caractéristique est globale, c'est-à-dire, entre parenthèses, regroupant toutes choses qui la concernent, et complète, c'est-à-dire repoussant toutes choses qui ne fait pas partie d'elle. Ce qu'on appelle « jami'un mani'a ». Là, une définition, par définition, elle doit être justement « jami'un mani'a ». Jamir, elle doit regrouper toutes les composantes qui font partie d'elle. Naam. Sans en omettre aucune. Mani, elle doit être comme un rempart de tout ce qui ne fait pas partie d'elle. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la description du Firqa al-Najiyah, du groupe sauvé, il a donné justement une description. Jamir, mani. Naam. Globale, globalisante, naam. Englobante, et en même temps, préservé de toute chose qui ne fait pas partie d'elle. Celui qui n'a pas cette caractéristique, où est-il? C'est la question que pose Cheikh Raslan, Hafidallah Tabaraka wa Ta'ala. Il se trouve dans les groupes destinés à la perdition sans aucun doute. Toute personne qui n'a pas cette caractéristique, quelle est-elle? C'est qu'il chemine sur la voie du prophète et des compagnons. Comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là est menacé du feu de l'enfer, sans aucun doute. فالفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والصحابة الكرام ويسيرون خلف الصحابة رضوان الله عليهم وعلى نهجهم ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم. Le groupe sauvé est secouru jusqu'au jour du jugement et porté par ceux qui s'accrochent fermement au livre d'Allah et à la sunna de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qui porte cette voie-là, mes frères, actuellement? Qui porte la voie que nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Es-salafiyoun. Et en premier lieu, les savants. Même si ce terme, il fait peur à notre époque. Voilà qu'alhamdulillah, nous, il ne nous fait pas peur. On aime cette domination, car elle renvoie à quelque chose qui est vrai. Donc, c'est ce que dit ici Cheikh Raslan, le groupe sauvé est secouru jusqu'au jour du jugement et porté par celui qui s'accroche fermement au livre d'Allah et à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la sunna des califs bien guidés et des nobles compagnons. Ils cheminent derrière les compagnons, qu'Allah les agrée dans leur foi. Et toute personne qui les aura suivis avec perfection, bi ihsan ay bi itqan, c'est-à-dire avec perfection ou excellence en suivant scrupuleusement leurs traces. Donc mes frères, la voie prophétique ou la voie des gens de la sunna n'est pas réservée aux compagnons. Non, comme je l'avais déjà expliqué, elle est réservée aux compagnons, en fait bien sûr aux compagnons, mais tous ceux qui ont suivi les compagnons, bi ihsan, dans l'excellence. Bi ihsan, ça veut dire quoi mes frères? Ça veut dire awalan fil i'tiqad, dans la foi, dans le dogme, dans la croyance. Être sur la même croyance que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans les actes d'adoration. Ne pas faire des actes plus que eux, ils l'ont fait. Et ne pas faire preuve de laxisme non plus. Dans les mœurs et le comportement.
Et ça, bien sûr, à notre époque, on fait défaut à ce point-là. Hein. Avoir le même comportement que celui des compagnons. La même bonne moralité qui était la leur. Bref, se calquer sur la voie des compagnons du prophète. C'est ça que ça veut dire bi-ihsan. C'est ce que veut dire le terme bi-ihsan. Walladhina taba'uhum bi-ihsan. ثم يقول المؤلف فالسلف كانوا أعظم عقولا وأكثر فهوما وأحد أفهاما وألطف إدراكا وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les prédécesseurs étaient beaucoup plus doués de raison que les générations postérieures. Beaucoup plus compréhensifs des problématiques de la religion. Leur compréhension était beaucoup plus aiguisée. Leur conception était plus affinée. Beaucoup de textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportés de façon notoire. Yani bitawatur. On avait expliqué ce que ça veut dire, al-hadith al-mutawatir. C'est un hadith qui a été rapporté à chaque génération par une multitude de personnes. De telle sorte qu'ils n'aient pas pu se réunir pour comploter ou pour mentir sur la parole qu'ils ont rapportée. Donc, où beaucoup de textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapportés de façon notoire expliquent que les meilleures des générations étaient celles où ils furent suscités, les compagnons. La génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la génération dans laquelle il fut suscité, sallallahu alayhi wa sallam, puis celle qui suivit, puis celle qui suivit. Ça, c'est un hadith, comme le dit ici l'auteur du livre, c'est un hadith mutawatir. Il a été rapporté par une multitude de compagnons, une multitude de tabi'in, une multitude de atba'i tabi'in, etc. Et ceci à chaque génération. Où le prophète a dit à sallallahu alayhi wa sallam, « Khayrun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. » La meilleure des générations, c'est la mienne. Puis celle qui suit. Puis celle qui suit. Et le prophète s'est arrêté à trois générations. Là, il n'a pas évoqué une quatrième. Ce qui représente à peu près trois premiers siècles de l'Hégire. D'accord? Effectivement, historiquement parlant, on constate que dans les trois premiers siècles de l'Hégire, ceux qui détenaient la religion, c'était les gens de la Sunna. Puis ensuite, les sectes se sont ont proliféré, se sont répandus et les innovations religieuses par là même ont traversé les contrées et les époques. Là. وأعظم الفضائل فضيلة العلم والإيمان فهو أعلم الأمة باتفاق علماء الأمة ولم يدع الطرق المبتدعة المذمومة عجزا عنها بل كانوا كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى الذي ولد سنة 61 وتوفي سنة الواحدة بعد 100 من الهجرة. نعم. ولد سنة 61 وتوفي سنة الواحدة بعد 100 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. تولى الخلافة سنة 99. يقول هذا الإمام وهذه الخليفة رحمه الله تبارك وتعالى على كشف الأمور أقوى وبالخير لو كان في تلك الأمور أحرى هذا في من فردوا به عنا. Donc l'auteur du livre dit: le plus grand des bienfaits est le bienfait de la science et de la foi. Ce sont les plus savants de cette communauté, en parlant des compagnons, et ceci à l'unanimité des savants de cette communauté. Ils n'ont pas laissé les voies innovées et réprouvées être un rempart contre lui, c'est-à-dire contre ce bienfait. Mais bien au contraire, ils furent, comme le dit Omar ibn Abdelaziz, qui, comme je vous le rappelle, est né en 61 de l'Hégire, et mort en 101 de l'Hégire. Comme le dit Omar ibn Abdelaziz, ils étaient les plus forts dans le dévoilement des affaires. Autrement dit, dans le dévoilement des innovations religieuses.
Naam. Sahaba, ils voyaient l'innovation religieuse arriver de très très loin. Et ils prenaient les mesures nécessaires pour la contrer et pour la mettre à terre. Ils étaient les plus forts dans le dévoilement des affaires et ils étaient les plus en droit concernant celle-ci d'être sur le bien, sur la vérité. Naam. Et Cheikh Al-Hassan dit, voici les choses dans lesquelles il se singularisait, sahaba, ou dans lesquelles il se différenciait des générations postérieures. بعد ذلك يقول المؤلف في الصفحة 340 هؤلاء الموفقون أهل الفرقة الناجية المنصورة هم الذين هاجروا البدع والأمور المستحدثة ولم يتبعوا الأهواء ولا أهل الأهواء ولم يتبعوا علماء الكلام ولا أهل الرأي الذين يقصون الأمور بعقولهم وآرائهم. Ceux-là à qui Allah a attribué la réussite, المؤفقون. نعم. الذين وفقهم الله تبارك وتعالى. Ceux à qui Allah a attribué la réussite sont les gens du groupe sauvé et secourus. Ce sont eux qui se sont détachés de l'innovation religieuse et de toute chose nouvelle inventée. Ils n'ont pas suivi les passions, ni les gens de la passion. Et n'ont pas suivi les savants de la philosophie. Bien que le kalam, ilm al-kalam, ou ulama ou le kalam, ce sont ceux qui ont mélangé la religion à la philosophie. Là, ce ne sont pas des philosophes à part entière. Mais ce sont ceux qui ont intégré certaines notions de philosophie dans la croyance des musulmans. Jusqu'à en pervertir la croyance des musulmans. Ilm al-kalam, ulama ou le kalam. Il dit, ils n'ont pas suivi les passions, ni les gens de la passion, et n'ont pas suivi les savants du kalam, ni les gens de la raison, ceux-là même qui utilisent l'analogie dans toutes choses avec leur raison et leurs avis. Al-Farq al-Najiyah, comme on l'a déjà vu mes frères, à travers les époques, ils n'ont pas été touchés par toutes ces innovations religieuses. Mais ils sont restés fermes sur la voie qu'a tracé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui caractérise les gens de la voie prophétique. Al-Thabatu al-Haq. La fermeté sur la vérité. هؤلاء هم أهل الحديث وأهل العلم الذين ينفون عن السنة تأويلات الجاهلين وتحريفات الغالين وانتحال المبتدين. Donc ça c'est la parole de l'imam Ahmed. Ceux-là sont les gens du hadith, les gens de science qui rejettent toutes les mauvaises interprétations des ignorants. Toutes les altérations des exagérateurs et tous les mensonges des négateurs. Nous avions déjà expliqué cette parole, je ne reviens pas dessus. هؤلاء هم الذين جعلوا القرآن العظيم والسنة الشريفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء. ولم يعقد الموالاة والمعاداة على التعصب للرجال أو على مسألة تؤصل على غير دليل فرقون من أجلها الناس ويتحزبون عليها إنما جعلوا القرآن العظيم والسنة المشرفة وعقيدة السلف مقياسا للولاء والبراء. Ça c'est très important mes frères, écoutez bien. Ce sont ceux qui ont considéré le noble Coran et la noble Sunna, ainsi que la croyance des pieux prédécesseurs, comme référence ou comme base dans l'alliance et le désaveu. Nam yuwaluna wa yu'aduna fil kitab wa sunna wa aqidati salaf. Ils ne réalisent pas l'alliance et le désaveu en se basant sur un sectarisme envers une personne, ou sur une problématique n'étant pas fondée sur une preuve, divisant par ceci les gens. En faisant preuve de sectarisme. Mais ils ont considéré le noble Coran et la noble Sunna ainsi que la croyance des pieux prédécesseurs comme référence dans l'alliance et le désaveu. Effectivement, mes frères, nous ne prenons pas une personne, quelle qu'elle soit, mis à part le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en faisant une alliance et un désaveu dans tout ce qu'il dirait ou dans tout ce qu'il ferait. Mais l'alliance et le désaveu ne doivent se faire qu'autour des bases qui ont été légiférés, c'est-à-dire le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit,
Abu Bakr Siddiq, radiallahu tabarak wa ta'ala, qui est le plus illustre des compagnons du prophète, sa parole peut être prise et rejetée comme n'importe qui d'autre. L'âme du frère. S'il a tort, on rejette sa parole. S'il a raison, on l'accepte. Omar ibn Khattab, c'est la même chose. Othman ibn Affan, c'est la même chose. Voici les plus grands, les plus illustres des compagnons. Que dire de tous ceux qui viennent après eux? Tous les savants de la Sunna, leurs paroles doivent être considérées ou à la lumière du Coran et de la Sunna. La seule personne dont on fait une alliance et un désaveu aveugle, c'est la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète ne parlait pas sous l'emprise de la passion, mais ce n'était qu'une révélation inspirée. La yantiqu an al-hawa, innama huwa wahyun yuha, 'allamahu man shadidul quwa. Qui lui a appris? Shadidul quwa, Jibril alayhi salam. Voilà ce qui caractérise les gens de la sunna, des gens de l'innovation. Reprenez un petit peu de recul par rapport juste à ce principe-là et vous verrez que les gens, ils ont ce sectarisme en eux, à plus ou moins grande échelle. Même beaucoup de personnes qui se revendiquent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui cheminent sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils font des fois un sectarisme aveugle sur certains savants. C'est-à-dire qu'ils prennent pour compte tout ce que dit le savant. قال الله قال رسول الله ولكن j'ai entendu Cheikh Foulan dire oui mais قال الله قال رسول الله oui mais Cheikh Foulan il a dit ça, d'accord, ça c'est une forme de sectarisme aussi, il faut faire attention à ceci, hein. Nos savants on les respecte, alhamdulillah, on les met à la place qui est la leur, on revient vers eux dans les problématiques de la religion, ils viennent nous expliquer et nous faire rapprocher justement la compréhension des textes, ولكن ce ne sont pas des prophètes. Ibn Abbas disait, lorsqu'il voyait des gens dire « Qala Abu Bakr, Qala Omar, Qala Abu Bakr, Qala Omar » et Ibn Abbas venait avec eux avec « Qala Allah, Qala Rasulullah » et il disait « Qala Abu Bakr, Qala Omar » et Ibn Abbas leur disait « Je vous dis Qala Allah, Qala Rasulullah » et vous me dites « Qala Abu Bakr, wa Qala Omar » j'ai peur que ne descende sur vous un châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Hein? Donc l'alliance et le désaveu, il faut que ça soit bien clair, mes frères, doit se faire autour du livre d'Allah, de la sunna du prophète et de la croyance des salaf, aqidat al-salaf, qui bien sûr est basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu plus loin dans le livre, à la page 406, yaqul al-mu'allifu, la page 405 juste avant, qala Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah al-Hakim al-Naysaburi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قهرة قال سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين La yadughruhum man khadarahum hatta takoum as-sa'atu. Abu Abdillah Muhammad ibn Abdillah al-Hakim al-Naysaburi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub a dit, Ibrahim ibn Marzouq al-Basri nous a rapporté en Égypte, en disant, Wahb ibn Jarir nous a rapporté que Shu'abatu nous a rapporté d'après Mu'awiyah ibn Qughra, qui a dit, j'ai entendu mon père rapporter du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, des gens de ma communauté ne cesseront d'être secourus. Secourus par qui? Par Allah tabaraka wa ta'ala. Ne cesseront d'être secourus. Celui qui leur fera défection, celui qui essaiera de les tromper ou de s'écarter d'eux, ne pourra les nuire jusqu'au jour du jugement. Écoutez bien, mes frères. ثم قال سمعت أبا عبد الله محمد بن علي ابن عبد الحميد الأدمي بمكة يقول سمعت موسى بن هارون يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول وقد سئل عن معنى هذا الحديث
لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال الإمام أحمد في شرح هذا الحديث: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. Il dit, puis j'ai entendu Aba Abdillah Muhammad ibn Ali ibn Abdul Hamid al-Adami à Mecca dire, j'ai entendu Moussa ibn Haroun dire, j'ai entendu Ahmed ibn Hanbal dire, lorsqu'il fut questionné sur le sens de ce hadith, des gens de ma communauté ne cesseront d'être secourus et celui qui leur fera défection ne pourra les nuire jusqu'au jour du jugement. L'imam Ahmed a dit dans l'explication de ce hadith, si ce groupe secouru ne sont pas les gens du hadith, je ne vois pas qui ils pourraient être. Non. Autrement dit, l'imam Ahmed a dit que le groupe secouru, cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont les gens du hadith. Et les gens du hadith, mes frères, c'est qui? As-salafiyoun. Non, on avait fait un chapitre entier sur ceci, concernant toutes les dénominations par lesquelles se caractérisent ou se nomment les gens de la Sunna. Entre autres, Ahlul Hadith. Mais il y a quelque chose de très important à souligner ici, et c'est ce que dit Al-Qadi Iyad. Écoutez bien. Qal Al-Qadi Iyad, Rahimahullahu Tabaraka wa Ta'ala, Arada Ahmadu, أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. القاضي عياض a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam Ahmed a voulu signifier les gens de la Sunna et ceux qui sont sur la croyance des gens du hadith. لأن الوهم قد يدخلها هنا فيقال ولكن قد لا يكون رجل محدثا فيظن أن أصحاب الحديث الذين ذكرهم الإمام أحمد وفسر بهم الطائفة المنصورة هم الذين يعارضون الحديث النبوي تحملا وأداء دراية ورواية فبين أنهم الذين يعتقدون مذهب أهل الحديث فالأمر أعم من ذلك وأشمل. Il a fait une annotation par rapport à la parole de l'imam Ahmed en disant, l'imam Ahmed, lorsqu'il a dit les gens du hadith, il a dit si ce ne sont pas les gens du hadith, ce groupe sommé, je ne vois pas qui ils pourraient être. Et le Qadi Iyad a dit, l'imam Ahmed a voulu signifier les gens de la Sunna et ceux qui sont sur la croyance des gens de la Sunna. Car ici la confusion peut rentrer chez la personne. Et l'on peut dire, mais il se peut que la personne ne soit pas un muhaddith. Il se peut que la personne, elle comprenne mal la parole de l'imam Ahmed en disant « L'imam Ahmed a voulu signifier les gens du hadith, c'est-à-dire les muhaddithoun, les gens qui s'occupent du hadith. » Donc, pour enlever toute ambiguïté, Al-Qadi Iyad a dit qu'a voulu signifier l'imam Ahmed. Ce n'est pas seulement les gens du hadith qui s'occupent de narrer, d'épurer le hadith de toute chose qui ne fait pas partie de lui, de transmettre le hadith, d'apprendre le hadith, de l'enseigner. Ce ne sont pas seulement ces gens-là. Mais il dit, c'est tous les gens qui sont sur la même croyance que les gens du hadith. Non. Écoutez bien, car ici la confusion peut rentrer. Et l'on peut dire, mais il se peut que la personne ne soit pas un muhaddith. Pensant que les gens du hadith cités par l'imam Ahmed lorsqu'il expliqua le groupe secouru, soient seulement ceux qui s'occupent du hadith prophétique en l'apprenant, le transmettant, en comprenant le sens, en le narrant. Il expliqua donc que le sens voulu par l'imam Ahmed, ce sont tous ceux qui sont sur la même croyance et qui sont dans la même école que les gens du hadith. Donc la parole est plus globale et plus vaste. Donc mes frères, la parole de l'imam Ahmed, il dit que le groupe sauvé, ce sont tous ceux qui sont sur la voie des gens du hadith, c'est-à-dire la voie des gens de la Sunna. Non. الأولون يدخلون دخولا أوليا ولكن
كل من انتمى إلى مذهبهم وإلى اعتقادهم وإلى طريقهم فهو منهم لأن هذا يؤدي في النهاية إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حملوا. Les premiers ici, ce sont les muhaddithoun, rentrent dans cette dénomination en priorité. Mais toute personne qui s'affilie à leur école, à leur croyance et à leur voix fait partie d'eux, car tout ceci renvoie au final ou a pour base les compagnons de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car ce sont ces derniers qui ont porté le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, les frères ? Ils ont porté le message, ils ont porté la sunna du prophète, ils ont porté les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ceux qui ont pris cet héritage, ils sont sur la voie des compagnons. Non. Et toute personne qui suit les gens qui ont justement porté les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont aussi sur la voie des compagnons. Non. Un peu plus loin, à la page 413, donc il y a beaucoup de propos intéressants dans ce chapitre, mais par souci de concision, là, je ne vous ai pas traduit tout ça. Et nous passons directement à la page 413. يقول المؤلف وهذه من أجل العلامات الفارقة بين الصادقين وغيرهم بين أهل الحق والذين يدعون أنهم على الحق وليسوا منه بسبب. Il dit ceci est la caractéristique la plus illustre qui exprime le mieux la différence entre les gens véridiques et les autres. Entre les gens de la vérité et les autres, ceux qui prétendent en faire partie, mais n'en font point partie. De quelles caractéristiques il parle ici, le Mu'allif, il parle de l'attachement scrupuleux à la sunna du prophète, ou à ce sur quoi était le prophète, ainsi que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. À la suite de ceci, l'auteur, justement, va évoquer, comme je vous l'expliquais tout à l'heure aussi, beaucoup de choses concernant Al-Wala ou Al-Bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu autour de ce principe, en rapportant notamment des paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui viennent appuyer ceci. Là. À la page 416, ça c'est très important, mes frères. Yaqul al-Mu'allif. فنصحهم الله تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم تلك النصيحة قل إنما أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا فأمرهم الله تعالى ألا يفكروا تفكيرا جماعيا وألا يتناولوا المسألة على الشيوع وأمرهم الله جل وعلا أن ينتحي الواحد منهم ناحية ثم يتفكر متجردا. Ici, Mu'allif fait une allusion à ce qu'Allah a dit tabaraka wa ta'ala au sujet de ceux justement qui divisent leur religion, qui font défection à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui contredisent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, puis Allah le Très-Haut les conseilla et ordonna à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de transmettre ce conseil. Le conseil suivant, et ceci c'est un verset coranique, écoutez bien. Dit, je vous exhorte à ne faire qu'une seule chose. Vous vous levez pour Allah, un par un ou deux par deux, et qu'ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon Mohammed n'est nullement possédé. Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. Non. Allah, le Très-Haut, Tabaraka wa Ta'ala, leur ordonna de ne pas réfléchir de manière collective ou collectivement et de ne pas considérer chaque problématique de manière non indivisible ou non singulière. Mais il leur ordonna, le Très-Haut, que l'un d'entre eux s'écarte et raisonne par lui-même. Dit, certes, je vous enjoins de vous lever pour Allah dénué de toutes vos passions, individuellement. Furada. Et si ceci n'est pas facile pour vous, et que vous ne souhaitiez que la collaboration avec une tierce personne, alors faites-le deux par deux. C'est-à-dire l'homme avec son co-religionnaire. Ensuite, je vous demande de réfléchir. Votre compagnon Mohammed n'est nullement possédé.
Et si vous revenez vers son histoire et vers votre histoire, vous connaîtrez la vérité concernant son cas et le vôtre. Mais si vous réfléchissez collectivement à la manière d'un troupeau, chacun d'entre vous cheminant dans un troupeau sans avoir fixé son objectif, sans connaître son but, ni connaître la fin de son périple ou le bout de son chemin, alors dans ce cas-là, vous n'arriverez à rien. Ceci est une grave erreur pour vous. Quant à celui qui réfléchit comme je lui ai ordonné, et il se peut que celui d'entre vous qui réfléchit selon la façon dont je lui ai demandé de réfléchir reconsidérera son affaire par rapport au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il ne vivra qu'une seule fois, non pas deux, et il n'y a qu'une seule vie et une seule occasion. Allah le Très-Haut l'octroie à ses serviteurs, puis il les fera mourir et leur demandera des comptes sur tous leurs agissements dans cette vie-là, en bien ou en mal, nombreux ou insignifiants, relatifs à la croyance, aux propos ou aux actes. Là. Mes frères, ici, ce verset coranique est une réfutation claire et nette pour toute personne qui ne voit, qui n'apprécie ou qui ne juge leurs affaires que par l'intermédiaire d'un collectif ou d'un groupe. Il ne peut pas prendre de décision seul. Il a été formaté pour réfléchir collectivement seulement. Il n'a pas ce recul nécessaire, cette singularité dans l'appréciation des choses qui lui fera montrer la vérité. C'est ce que signifie ici ce verset coranique où Allah dit tabaraka wa ta'ala, certes, qul innama a'idukum bi wahida, je vous enjoins une seule chose. Antakumu lillah, c'est que vous vous levez pour Allah, c'est-à-dire que vous vous débarrassez de toutes vos passions. Vous vous débarrassez de tous vos a priori. Mathna wa furada, deux par deux ou tout seul. C'est-à-dire, détachez-vous du groupe dans lequel vous êtes. Thumma tatafakkaru, et réfléchissez bien. Ma bi sahibikum min jinna, votre compagnon Mohammed n'est point un aliéné ou un fou. Ceci, c'est une exhortation pour nous dire de prendre du recul dans toute chose. De prendre du recul afin de mieux apprécier les choses. C'est ce que dit souvent Cheikh Raslan, Hafidhahullah tabaraka wa ta'ala. Il dit, ibta'id qalilan, tara afdal. Recule un petit peu et tu verras mieux. Comme il le dira tout à l'heure, Inch'Allah, c'est comme une personne qui a un livre près des yeux comme ça, à fleur de peau. Est-ce qu'il peut lire ? Non. Recule un petit peu, tu verras mieux. C'est la même chose dans les affaires de la religion. Des fois, on est dans des situations qui sont confuses. On n'arrive pas à voir, on ne sait pas comment sortir de cette situation inextricable. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un ou deux pas de recul. Reculer un petit peu et reconsidérer la chose. Et on verra que la chose se révèle d'elle-même. Et les problèmes et les choses confuses se révèlent d'elles-mêmes. Ça veut dire quoi reculer ? C'est-à-dire enlever toutes ses passions, tous ses a priori, revenir au livre d'Allah, sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Reconsidérer la chose avec des bases solides et bonnes, avec des bases saines. Des fois, par exemple, on est dans une problématique, par exemple sur le cas d'une personne. On a toutes sortes d'a priori sur une personne. Mais on ne se pose pas la question, peut-être que j'ai faux depuis le début. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit reconsidérer la chose pour être sûre que son jugement va être fiable et valide. Elle reconsidère la chose, elle reprend la problématique à sa base, avec des bases solides. Donc c'est reculer pour mieux voir, Inch'Allah. Idan, hadha ma qala al-mu'allifu, qul innama a'idhukum, an takumu lillahi mutajaghridina min al-hawa. Naam, mutajaghridina min al-hawa. Furada, kullun wahdahu. فإن لم يخف عليكم ذلك وأبيتم إلا المشاركة فمثنى مثنى الرجل مع الرجل ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة ولو رجعتم إلى تاريخه وتاريخكم لعلمتم الحق في شأنه صلى الله عليه وسلم وشأنكم نعم يا أخوتي الكرام لو يراجع الإنسان نفسه لعلم بكل وضوح إذا كان على الانحراف وعلى الزيغ لعلم أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بعيدة كل البعد عما هو فيه الآن ولكن لأنكم تفكرون تفكيرا جماعيا كما يفكر القطيع
وكل منكم يسير في قطيع لا يحدد هدفه. نعم les frères, ils sont à l'image d'un troupeau. Non, vous savez comment ça se passe un troupeau? On va dire il y a 20 têtes. Il suffit qu'il y en a une qui est apeurée, qui va à droite, les autres elles suivent. Il y en a une qui décide d'aller à gauche, ou deux qui décident d'aller à gauche, les autres elles suivent sans savoir pourquoi. Donc les gens qui sont dans les sectes religieuses, qui suivent leur chouyour, leur savant aveuglément, ils sont comparables à ces troupeaux-là. On leur dit d'aller à gauche, ils vont à gauche. On leur dit d'aller à droite, ils vont à droite. Sans savoir est-ce que la voie qu'on me montre, elle est véridique, elle est valide. Elle m'emmène vers le paradis ou elle m'emmène vers l'enfer. Ils ne se posent même pas la question. Ils font une confiance aveugle à ceux à qui ils ont donné leur religion en offrande. وكل منكم يسير في قطيع لا يحدد هدفه ولا يعلم غرضه ولا يدري نهاية سعيه ولا غاية مسيره وهذا خطر كبير عليكم وأما من تفكر كما أمرته فلعل من تفكر على هذا النحو الذي طلبته منكم أن يعيد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لن يحيا في هذه الحياة مرتين الحياة مرة وفرصة واحدة يؤتيها الله تبارك وتعالى الأحياء من عباده ثم يتوفاهم الله تعالى ويحاسبهم على ما صنعوا في حياتهم من خير وشر من قليل وكثير من اعتقاد وقول وعمل. La personne, mes frères, elle doit considérer qu'elle n'a qu'une seule vie, une seule occasion de prouver ce dont il est capable devant Allah tabaraka wa ta'ala. Sur la base de ceci, il doit être sûr de la voie qu'il est en train de suivre et ne pas justement réfléchir comme réfléchissent des bêtes de cheptel dans un troupeau qui ne savent pas où elles vont et qui ne prennent aucune décision concernant leur avenir. فَالنَّصِيحَةُ أَنَّنَا نَكُونُ لِلْمُخَالِفِينِ مِنْ هَذِي النُّبُوَّةِ ابْتَعِدْ قَلِيلًا كَيْ تَرَى أَفْضَلْ لِأَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا جَعَلَ مَكْتُوبًا أَمَامَ عَيْنَيْهِ فَقَرَّبَهُ جِدًّا فإنه لا يقرأ شيئا ولكن إذا ابتعد قليلا فإنه يرى أفضل ابتعد قليلا كي ترى أفضل وراجع نفسك وتأمل فيما أنت عليه وما تصير إليه والله المستعان هذه نصيحة من شيخنا شيخ رسلان حفظه الله تبارك وتعالى. Le conseil, c'est que nous disons à toute personne qui contreviendrait à la voie prophétique, recule un petit peu afin de mieux regarder. Car la personne ne peut lire une chose qui se trouve très proche de ses yeux. Mais dès lors qu'il s'éloigne un petit peu, sa vision s'affine. Recule un petit peu afin de mieux voir. Et juge ta personne et regarde sur quelle voie tu te trouves et où tu chemines. Naam le frère, et Allah est celui dont on implore l'aide. Thumma yaqul, wa'alam, fi safhati al-tariya, ayyuhal muwaffaq, المهدي إلى منهاج النبوة أن أهل البدع سيرمونك من كل صوب وأن أهل الأهواء من الحزبيين وغيرهم سيجلبون عليك. ها؟ نعم هذا كلمة حق يا إخوتي الكرام. سيجلبون عليك بخيلهم ورجلهم من كل حدب فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Sache, ô toi à qui Allah a donné la réussite, celui qui a été guidé sur la voie prophétique. Non, mes frères, que les gens de l'innovation t'attaqueront de toutes parts, que les gens de la passion, parmi les gens sectaires, el-hizbiyoun et autres, prépareront contre toi leurs montures et leurs cavaliers venant de toutes parts. Cherche protection auprès d'Allah, et c'est lui l'audient, l'omniscient. Non, nous avions déjà vu ceci, mes frères. Les gens de la semaine n'ont pas été attaqués de toutes parts depuis l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Non. Croyez-vous que ces détracteurs laisseront les gens de la vérité parler en toute liberté? Vous savez pourquoi ils sont attaqués? Le secret réside dans le fait que ce sont les seuls qui dénoncent les gens de la passion. أما الحزبيون بعضهم بعضا يتعاونون. أما les gens, les حزبي, les gens sectaires, les uns envers les autres, ils se cachent mutuellement leurs défauts. Pourquoi?
Car si un groupe viendrait à dévoiler l'autre groupe, bah l'autre groupe dira, bah dans ce cas-là, aussi, toi aussi, tu as des erreurs. Regarde. Tu fais défaut à la sunna du prophète par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc, ils se taisent. Ils se taisent les uns envers les autres et ils refusent justement de se critiquer les uns les autres. C'est pour ceci qu'en France, on a un courant de frères. C'est ce qu'on appelle le Qutbiyya, qui ont été très influencés par les écrits de cette Qutb, même si ces frères de France ne connaissent pas cette Qutb et n'ont presque jamais lu leur livre. Mais ce qu'ils propagent, ce sont les écrits, ce sont les idées de cette Qutb, sans qu'ils le sachent, pensant qu'ils propagent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent quoi? Ils disent, ne critiquez pas les gens, laissez-les tranquilles, occupez-vous de votre religion. Pourquoi vous critiquez à tort et à travers? Ils disent ça. Et parmi leurs fondements, ils disent, il est interdit de critiquer les gens de l'innovation. Critiquer l'innovation religieuse, oui, mais ne critiquez pas les innovateurs. Non. Il y a des frères qui se revendiquent de la voix des salafs en France, qui propagent ce genre d'idées. Pourquoi ils disent ça? Justement, pour qu'eux aussi, on les laisse tranquilles dans leurs innovations religieuses. Mais alhamdoulilah, les gens de la sunna n'ont cessé et ne cesseront, inshallah ou tabaraka wa ta'ala, de dénoncer ces innovations religieuses et ceux qui les portent, bien sûr. Car les innovations religieuses, mes frères, elles ne se propagent pas toutes seules. Elles ont des gens qui les portent, qui les propagent, qui les véhiculent. Donc l'avertissement, la mise en garde contre les innovateurs, elle est presque aussi importante que la mise en garde contre les innovations elles-mêmes. Non. Donc c'est ce que dit ici Cheikh Al-Islam. Il dit, je reprends la phrase, sache ô toi qui Allah a donné la réussite. Celui qui était guidé sur la voie prophétique, que les gens de l'innovation t'attaqueront de toutes parts, que les gens de la passion, parmi les hezbi, c'est-à-dire les gens sectaires et autres, prépareront contre toi leurs montures et leurs cavaliers venant de toutes parts. Cherche protection auprès d'Allah, c'est lui l'audient, l'omniscient. Je vais finir le cours, inshallah, par la parole de l'imam al-Shatibi, rahimallahu tabaraka wa ta'ala, حيث يقول هذا بعد أن ذكر وذكر قصة الإمام ابن بطة. L'imam ibn Battah raconte de lui-même que, je ne vous ai pas traduit cette parole parce qu'elle est un petit peu longue, mais il dit de lui-même que à chaque fois qu'il a voyagé dans différentes contrées et qu'il a rencontré des personnes, que ce soit à Mecca, à Al-Khurasan ou autre, quoi qu'il fasse, il a été taxé par un qualificatif non acceptable. Non. Il dit, lorsque j'étais d'accord avec telle ou telle personne, il m'appelait Mouafiq, c'est-à-dire personne qui est en accord avec moi. Lorsque je venais le réfuter sur certaines choses, il m'appelait Mukhalif, contradicteur. Lorsque je parlais sur la foi et sur les attributs d'Allah, il me disait Mushabbi, assimilationniste. Lorsque je parlais sur le destin, il me disait Qadari. Lorsque j'évoquais les bienfaits de la famille du prophète, il me disait Rafiri. Lorsque je parlais de Omar et de Abu Bakr, il me disait Nasibi, etc., etc. À chaque fois, quoi qu'il disait, les gens, ils le qualifiaient et ils lui mettaient une étiquette dessus. Tous ceux qui, bien sûr, qui étaient contraires ou qui cheminaient sur une voie contraire à la sunna du prophète, à cette fois-là. Pourquoi? Car ils venaient en opposition avec ce sur quoi ils étaient eux. À la suite de ceci, l'imam Shatibi, il dit, « هذا تمام الحكاية فكأنه رحمه الله تبارك وتعالى تكلم على لسان الجميع فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو ببعضها لأن الهوى قد يداخل المخالف بل سبب الخروج عن السنة نقطتان الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف فإذا كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسبة. Imam al-Shatibi, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde, après avoir évoqué cette parole de l'imam Ibn Battah al-Hanbali, l'imam al-Shatibi a dit, voici le récit complet
de cet imam, l'imam Ibn Battah, c'est comme si qu'Allah lui fasse miséricorde. Il parlait au nom de chacun d'entre nous. Rarement tu trouveras un grand savant connu ou un homme de mérite sans qu'il ne soit taxé de ces dénominations ou de certaines d'entre elles. Car la passion s'infiltre chez les contradicteurs. Et même la cause de la défection à la sunna, c'est l'ignorance et les passions prédominantes se trouvant chez lui. Dès lors qu'il en est ainsi, il attaque la personne de la sunna en disant qu'il ne fait pas partie d'elle, lui occasionnant toutes sortes de désagréments, déclarant ses propos et ses actes ignobles, jusqu'à ce que ses attributions lui soient attribuées faussement. L'âme de frère. Comment appelle-t-on les salafis et salafis à notre époque? Madakhila. Non, nisbatan ila Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, shafahullah tabaraka ta'ala. Ou alors les fondamentalistes, ou alors les littéralistes, ou alors les wahhabistes, ou alors les purs et durs. On l'a déjà entendu, les purs et durs. Eux, ce sont les purs et durs. Non, etc., etc., etc. Al-Mutashaddid, etc. Toutes ces dénominations qu'on reçoit à l'appel et qu'on se prend à la face à l'appel, elles sont attribuées faussement. Al-Madakhila, mes frères. Aucun des gens de la Sunna ne s'est appelé lui-même un Madkhali. Je suis un Madkhali. Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, c'est un de nos grands savants. Hafidahullah tabarak wa shafa. Walakin, l'imam Rabi' ibn Madkhali, كغيره من العلماء ne doit pas être pris comme une révélation. Donc, nos dénominations par lesquelles on se dénomme, elles ne s'attachent pas à des hommes. Jamais. Ni Wahhabi, ni Madkhali, ni Fawzani, ni Raslani, بل أهل الحديث نسبة إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأهل الأثر نسبة إلى الآثار التي تركنا النبي صلى الله عليه وسلم والسلفيون نسبة إلى السلف الصالح نعم وأهل السنة والجماعة نسبة إلى السنة النبي عليه الصلاة والسلام والجماعة الأولى من الرعيل الأول من الصحابة ومن تبعهم بإحسان وهكذا نعم toutes les dénominations par lesquelles on se nomme elles n'ont pas pour lien des hommes ou des personnes mais elles ont un lien direct avec la voie que l'on suit. Alhamdulillah. Vous verrez, Inch'Allah, que toutes ces dénominations, dans le temps, elles ne tiendront pas. Hein, ceux qui nous ont appelés Al-Jami, Al-Jamiyoun, Nisbatan ila Sheikh Amin Al-Jami. Au final, cette dénomination, elle se perd petit à petit. Hein, bien que certains essaient de la mettre au premier plan. Vous verrez qu'au final, Inch'Allah, ce terme-là, il va s'estomper dans le temps et il ne restera que les vraies dénominations des gens de la Sunna. نعم إن شاء الله بتوفيق الله تبارك وتعالى نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التجرد لوجهه تبارك وتعالى والإخلاص له والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه بارك الله فيكم وقل رب زدني علما